Bon, allez, on va Allez, essayer de au s'occuper de travail, au cette petite travail. affaire. Pas de Aïe, aïe, soucis, aïe. allez, Alors c'est attendez, il faut gentil. que j'appelle 04, c'est lui qui m'a dit de l'appeler en cas de... Je Alors pose oui, ma mallette là. que se passe-t-il avec 04? Alors, non, rien du tout, c'est juste qu'il m'a dit que si on a besoin d'accéder à la prison, aller voir les prisonniers là actuellement, il fallait que je l'appelle. Oh bah dis donc, oh, bah, je suis bien confus là, mon cher. C'est pas dans Oh. votre habitude, ça. Ah Que se oui, non, passe-t-il pas du tout. Oh bah je pense que c'est l'émotion. Hein. Le voyage dans le coffre m'a fait un grand mal, mon cher. Bien sûr, oui. C'est vrai qu'on a été trimballé de gauche à droite. Je ne vous raconte Ah oui, mais depuis qu'on est arrivé, te. ça... Waouh. Laissez-moi finir, Sterling. Bien sûr. Raconte pas. Je ne vous raconte pas. Mais ne me dites rien, alors. Mais je vous dis rien. Je vous dis rien, Je ne veux Sterling. rien savoir, Cooper. Eh ben, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Voilà, comme ça, j'en ne serai pas plus. Oui, maître gros marrant, Bonjour ça va? 04. Nous sommes devant le guichet et C'est donc qui nous donc? sommes Nous à sommes l'entrée à du l'entrée du commissariat et nous souhaiterions voir des avoir, délinquants. voilà, voir des clients qui seraient emprisonnés actuellement au Oh, sein du ça, poste pas de police possible. de Los Santos. Ok. Y a personne là? Y a pas mes collègues? Il n'y a personne actuellement. Hein, Ok, 04, je vais faire un call, je vais demander, je vous rappelle incessamment sous peu. Bah, c'est très aimable à vous, merci beaucoup, 04, et soyez prudent. Pas de soucis, pas de soucis. Au revoir. Voilà, bon, ça, Il a l'air de se passer des choses dans cette oh, ville, dis ça donc. n'arrête pas. Est-ce Ça n'arrête pas. qu'on va pouvoir parler à une personne plus de 3 minutes Ah sans oui. qu'elle nous casse les oreilles? Oui, je Vous ne sais croyez qu'on peut pas. y aller de nous-mêmes, peut-être? Je ne sais pas. Je ne prendrai pas le risque. Oui, c'est vrai. Nous Voilà, sommes je tout de ne... même avocats, mais enfin, Oui, voilà. ils n'ont pas encore vu notre On a carte, vu alors que le j'ai pas peur de commandant était passer. nerveux quand même un petit peu. Oui, que penses-tu d'ailleurs du commandant d'Ivoire, J'ai Sterling? peur. Oui, on va dire qu'on est d'accord qu'il était bien debout sur la chaise et non Il assis, était voyons. debout, il a imposé son autorité. Hein. Je pense que là, Oui, on a vu qui était le patron. il a l'air jeune, non? Il a l'air un Il a l'air peu. jeune, il a l'air jeune. Oh, vous Il a l'air savez. jeune, motivé et un petit ronflant, si tu vois ce que je veux dire. Rouflaquette. Tiroflant, Ah, plutôt. tiroflan. Oula, non, D'accord? j'ai pensé, j'ai entendu au tiro. Tiroflant, Oui, tiroflant. tiroflan ou Allô? tiro. Je vais demander à J'entends. l'assiette pour Ou partir en cheesecake, civil. peut-être. J'entends. Tu veux venir? Qu'entends-je? Oui. Excusez-moi? Oui. Allô? On nous entend. J'ai l'impression d'être bloqué dans un monde Oui, parallèle. oui, oui. Allô? Cooper! 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 Je n'aime pas être Oui, seul. Ah oui. j'arrive, Ah oui, je vous êtes suis là. là. Tu m'as pas vu? Oui, mais j'ai pas regardé. D'accord. Oui, je suis là. Voilà. Oui, non, il faut voir et regarder, voyons, Oui, bah oui, cher Sterling. c'est une habitude à prendre. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, depuis que je suis Bon. rentré dans ce coffre, mon cher Cooper, à aucun moment il y a eu du répit. Hein. Les gens sont très vifs, j'ai Oui, envie de les te gens ont dire. l'air de vivre à fond. Intensément, J'ai intensément appelé leur vie. ma petite fille tout de même. Alors, en tout cas, elle est charmante comme tout Ah, elle est charmante. elle a l'air en bonne santé et c'est le principal. Elle est en bonne santé, oui. Très bonne santé. Très bonne santé, oui, elle est Très très bonne, 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 bonne bonne santé, hein. santé. Oui. C'est pas ma nièce pour rien. Bon, ben on va attendre. Normalement. Oh, ben excusez-moi, je vous ai pas vu. Il y a vos collègues qui arrivent. Est-ce que les policiers semblaient être des policiers? C'est la question que je me suis posée également. Comment ça, expliquez-vous, Sterling? Ben. Est-ce que finalement, dans cette ville, est-ce que le taxi était un taxi, Oui, finalement? voilà. Voilà, finalement. Est-ce que dans cette ville, les gens sont des gens? Oui, ma petite Effie, comment vas-tu? Oui, Effie, écoute, t'as un comportement un peu étrange. Est-ce qu'on peut se voir quelque part ou... Très bien, à tout de suite. Parce que entre nous, Cooper, cette histoire de Oui, chips, oui. hein, bon, voilà. Oui. Hein. Oui, cette histoire... Oui, un peu Oui, tiré hein. par les cheveux. Oui, Oui, on a connu ça, nous, à mais l'époque. je me permets de t'émettre un doute, qui est un doute. Je J'écoute, je pense que l'écoute. cet homme est très bizarre, hein. Malheureusement, n'ayant pas Il est. accès à un agent de sécurité de la ville, Voilà. on peut avancer. On Voilà, on peut peut avancer. avancer. Ah bah on m'appelle. Ouais, la sonnerie du téléphone est vraiment très très forte, Oui, Cooper. c'est une très forte Oui, sonnerie, c'est une mon cher très forte Sterling. sonnerie, Cooper. Je décroche. Oulala, il va faire tout noir, je crois. Allô? Oui, Oui, bonjour, maître excusez-moi. Sterling. Oui, bon, on me C'est dit à la radio Monsieur qu'il n'y a Sterling. pas de prisonnier actuellement, Y a c'est pas de une prisonnier actuellement. Ah bah ça arrange. Bah, affaire réglée, en fait. Affaire réglée, j'allais vous Ah, dire. nous avons réglé notre première affaire. Ah bah super, bah merci. On va réclamer Eh ben, notre ça fera somme. 10 000 dollars, mon cher. Et je vous remercie. On se tient au courant, 04. Soyez prudent. Oui, merci à vous aussi. Allez. Il n'y Y a a prenez pas de pas de risque. Au prisonnier. revoir. Oui, Tiens-toi, bien Effie. sûr, bien sûr. Bon, ben Non, voilà, plus affaire jamais. résolue en bonne et Eh due ben. forme. Ils sont sortis de Comment ça, prison. Bah, ils viennent de sortir? Non, 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 pas du tout. Il m'a dit qu'il n'y a pas de prisonnier, tout simplement. Ceci est fort embêtant, non? Tu sais, la personne qui était maquillée peut-être dangereuse, non? Avec le mascara. Oui. Oui. Un petit peu abusé d'ailleurs, je Oui, pense. c'est trop étalé, trop étalé. Oui, oui. Et tu as son numéro de téléphone à Vertigo. Oui, oui, Eh ben, oui. appelons-le.
appelons-le et disons-lui que la police nous a certifié qu'il n'y avait aucun prisonnier. Pose ton cartable, voilà. Oui. Ah bah résultat, je mets l'oreillette. Oui, mets l'oreillette, c'est mieux. Voilà, c'est bon, c'est, je suis en oreillette. Bah tiens, je te rends ton cartable. Il ne décroche pas. C'est très bizarre, c'est très déconvenu tout cela. Il nous ferait peut-être une auto là où... Parce que moi je repaye pas un taxi. Hein. Enfin, tu... Ah, c'est... il fallait parler à l'agent immobilier, dites donc. Ah, ah bah voilà, bah voilà, bah voilà, bah voilà. Appelez-le. Ah, bah demandez s'il y a un petit cabinet pour nous. Allez, je l'appelle immédiatement. Et dites bien qu'on vient de la part du commandant. Hein. Mais ça trouve pas le numéro. Voilà. Hop. Ce numéro n'est pas attribué. Je pense que le capitaine s'est moqué. Oui, hein. Bonjour. Ouais. Bonsoir, monsieur. Bon, vous savez s'il y a des flics là ou pas? Ah, oh, ben donc. Dites-moi. Il y en a deux ici, là, monsieur. Ah, ouais, oui. Okay, ok, merci. De rien. Je pense pas qu'ils vont être très coopérants, ils ont l'air d'être payés pour surveiller. Oui, je sais, mais je voulais pas d'une nouvelle affaire. Oui, je comprends. Trop d'affaires, vous savez ce voilà. qu'on dit, hein, au Massachusetts, trop d'affaires, tu l'as fait. Voilà, il suffit d'être un peu. Alors, donc on a un mauvais numéro. On a un mauvais numéro. Vous n'avez pas noté le bon numéro, il d'accord. Il semblerait. Alors, sachant attendez, que les... je n'ai pas noté le attends, micro du coup. Je vais vérifier mon JR Cooper, j'ai pas mis un 5 en plus. Ouh là là, téléphone, dis donc, c'est vrai que c'est... Oui, c'est très fort, hein. Pourtant, j'ai ah bien bah, noté oui, ce que m'a dit. En tout cas, on essaye. Bah, on essaye, ils sont donc sortis, je dirais, il y a à peu près... Bonjour, monsieur l'agent, comment allez-vous? Bonjour à vous, oui, monsieur. Ça va et vous? Ça va bien. Alors, vous avez besoin d'aide? Très bien, bah... Nous sommes avocats au Gourbarreau. D'accord. Je m'appelle Maître Sterling et voici Maître Enchanté. Cooper, hein, qui Enchanté. Est ici présent, qui est au téléphone avec un de nos clients. Et voilà, tout simplement. Et nous sommes dans l'attente d'une réponse escomptée. D'accord, ok. Bon, bah alors je vous laisse. Bah, c'est très aimable à vous. Y'a pas de soucis. C'est moi qui vous remercie. C'est le nouvel iPhone valise, ça, non? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Écoutez, monsieur Vertugo, il y a d'autres affaires en fait en cours, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Il demande à mes chauffeurs et à d'autres personnes des informations sur les bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. J'ai pas le... Est-ce que je me permets de vous déranger? Est-ce que vous auriez le numéro d'un agent immobilier en ville, messieurs? Oui. Ah oui. Oui, monsieur Tanaka. Venez. Ah, monsieur Kanata. C'est ce monsieur, oui, c'est ce Katana. Monsieur. Oui, c'était ça. Dès qui? Ouais, une seconde. Je donne un numéro important. Okay. Là, c'est deux messieurs. J'arrive. Hein. C'est très aimable à vous, monsieur. Mais avec et plaisir. On... Hein. Ah, vous m'avez l'air d'être très professionnel là. Nous sommes tout à fait professionnels, maître Sterling Cooper, avocat au Gros Barreau. Cooper, d'accord. Et je vois l'avenir dans votre crâne, monsieur. Hein. Ah bon c'est... Ah ouais. Ah oui, c'est. Vous dites ça parce que je n'ai pas de cheveux, n'est-ce pas? Ah non, c'est une petite boutade. Oui, j'aime bien cet esprit vif de la rigolade. Ah, oh, l'esprit vif comme les carottes. Oh, J'y avais pas pensé à celle-ci, elle est très oui, bonne. Oui, note-la, s'il te plaît. Écoute, je vais la noter, bouge pas, je pose la tâche et caisse, voilà. Je sors le petit calepin. Donc voilà. C'était, on alors, voit en rapport dans votre crâne. Crâne. Par rapport au manque de pilosité. Oui, on va pas le cacher, monsieur voilà, Sterling. Bon. Vous faites quoi dans la vie, là les... Nous sommes avocats, monsieur. Avocats au Gros Barreau. Nous sommes avocats au Gros Barreau. Je rigolais, c'est une boutade sur votre monsieur, monsieur, attendez, nous sommes au service des citoyens. Nous pouvons vous aider. Alors, nous sommes au service de la justice, avant tout. Bien sûr. Ah, d'accord. Nous avons une déontologie. Vous savez que ce que vous nous dites reste entre nous et ne sort jamais d'entre nous. Le secret professionnel. Bien sûr. Donc ce numéro est dans les mallettes là, y a pas de l'argent là. Oh, il doit bien y avoir un petit billet. C'est que des textes de loi, monsieur. Vous voulez voir? Non, c'est bon. La loi et moi, ça fait 25, hein. Eh ben, vous aurez sûrement besoin de nous. Prenez notre numéro après, alors. Ah, ça marche, hein, c'est bien pris. On se partage avec quelqu'un. Alors, attendez, monsieur Sterling, l'agent immobilier. Oui. Putain, dites-moi tout. Ce que j'en ai foutu là. C'est il est fou. Où? Vous ressemblez grave à quelqu'un que je connais, mais je saurais pas vous dire qui. Certainement un acteur. Oui, moi je vois qui. Eh, dis-toi, moi on m'a confondu avec un acteur X là, t'imagines? Je préfère pas. Je ne préfère pas imaginer. Alors, 5, 62, 53. Hein. Ah, 53, d'accord. J'avais mis 63, tu vois. Ah, bah oui, bah, c'est pour ça que Sterling on ne trouve pas. Eh ben, je vous remercie grandement. La dernière fois que je l'ai vu, là, il était à la soirée du golf, là, donc peut-être qu'il sera occupé. Eh ben, on va l'appeler incessamment sous peu, en vous remerciant, messieurs, de votre hospitalité. Et mais de avec votre plaisir, messieurs. Hein, passez une bonne soirée. Et de votre temps. Passez une bonne soirée, messieurs. Et si vous avez besoin d'un avocat, notez nos numéros. Hein, On fera appel à vous via Twitter. Hein. Oula. Alors, nous ne sommes pas trop. Des, oui. Des, comment vous dites? Des tweetos? Oui. Vous savez, il faut bien se mettre au goût du jour. Hein.
D'accord. Ouais, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. De toute façon, on fera une petite annonce. Au pire des cas, messieurs, écoutez-moi bien. Ah, je vous écoute. Voilà. Si jamais vous vous faites arrêter ou quoi que ce soit, vous demandez au commissaire ou à l'agent qui vous a arrêté de faire appel à Sterling Cooper. Oui, nous sommes avocats commis d'office. Au gros. Mais écoutez, moi je me présente alors. Baron. Moi je m'appelle Monsieur Rick Espanich, patron des Taximan, d'accord? Mais ravi de vous rencontrer, monsieur. À ma gauche, il y a le copatron Carlos Dos Santos. Oh. Et à ma droite, le manager. Enchanté, enchanté, messieurs. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. D'ailleurs, en parlant que je vous ai. La première course de taxi, c'était dans un petit pot de yaourt. Ah oui, et j'étais dans le coffre. Est-ce normal, oui, monsieur? Vous n'avez aucun taxi? Oui. C'était avec qui? Un monsieur qui nous a demandé 700 dollars. C'est beaucoup ou pas? C'était combien de kilomètres votre course? Aéroport à ici. Hein, ah ouais, c'est un petit peu loin quand même. Je peux savoir là, quelque chose. C'est quoi le numéro? C'était quoi votre numéro, s'il vous plaît? Et toi, Sterling? Ah oui, c'était moi. C'était le 5733. Et c'est ça, à peu près quand? C'était à peu près vers 23h. Oui, écoutez, voilà. C'était une personne avec des cheveux gris. C'est 71. Ok. Ah, 71, c'est Hannibal. Ok. Ouais, c'est Hannibal. Très bien. Voilà, il m'a fait. Très charmant. Très charmant, mais il m'a fait loger dans un coffre. Alors, je sais pas si c'est une habitude de la ville ou. Bah, il va sauter. Ah non, non, mais non. Non, non, mais monsieur, le problème, c'est qu'il est là depuis hier. On a déjà eu un problème avec lui. Et là, c'est le deuxième problème. On met pas un client dans le coffre. Non, laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. Il en avait une, mais bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il va sauter. Et s'il a quelque chose à dire, il fera appel à un avocat. Eh bien, écoute, monsieur Sterling. Ça me paraît être une bonne idée. Finalement. Écoutez. Alors, on fait tourner le business. Ah, bah oui, on aime bien l'idée. On aime bien l'idée. C'est du bon business. C'est du bon business. Ça me plaît. Ça me plaît. Ben, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Après tout, ça ne nous regarde pas. Oui, voilà. C'est vous. Vous êtes le directeur. Vous gérez votre société comme bon vous semble. Voilà. Ah, avec plaisir. Je fais ça avec plaisir, évidemment. Mais il était très charmant tout de même. Hein. On va pas. Ouais, mais si jamais il venait à être viré et avoir besoin d'un avocat, nous serions là, bien évidemment, pour lui tendre la main. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup pour votre numéro. Bon courage, messieurs. À très bientôt. Bon vent. Oui, voilà. Très étonnant de votre publicité, d'ailleurs. Ciao, ciao. Mon cher Sterling, est-ce que tu peux appeler, s'il te plaît, Attends, parce que j'aimerais ne pas avoir des affaires toutes les 3 mètres. Parce que là il me faudra deux mallettes. Que la ville ne connaît pas beaucoup d'avocats. Oui, voilà, il nous faut deux attachés caisses, je pense, par personne, maintenant. Oui, oui. Oulala. Oula. Oui. Ça fait beaucoup de bruit pour peu bon, de... Voilà, bon, je me permets d'appeler le monsieur Katana. Pose l'attaché caisse, vraiment. Oui, hein, c'est vrai. J'ai toujours peur qu'elle tombe. Non, t'inquiète, je la garde. Oula. Ah bah, je reconnais, c'est une infraction, ça, c'est une infraction. Résumé de la soirée, j'ai une nièce qui est censée venir que je n'ai plus jamais revue. Voilà. On n'a pas de locaux, mon cher Sterling, permets moi de rigoler. Mais par contre, on a plein d'affaires. J'appelle le monsieur. Par contre, on a plein d'affaires, mais on n'a aucun tarif, monsieur Sterling. Oui, c'est vrai. Et aucun logement. Oui, bonjour, monsieur Katana. Je me présente. Ici, c'est monsieur Cooper. Maître Cooper. Mais non, ça, c'est mon collègue. Donc, moi, je suis maître Sterling. Et nous recherchons des locaux actuellement pour pouvoir exercer notre fonction d'avocat au sein de la ville de Los Santos. Bah, grand plaisir. Je vous ai fait appel à la bonne personne. Et ben, exactement. On nous a dit beaucoup de bien de vous. Et du coup, est-ce que nous pourrions nous rencontrer, mon cher monsieur? Alors là, je suis pas au travail, je suis à une petite fête. Une fête? Eh ben, donnez-nous l'adresse et nous y rendrons avec grand plaisir. C'est le golf. C'est au niveau du golf. Eh ben, nous demanderons. Oui, le golf. Oui, enfin, je ne connais pas très bien la ville, mais nous trouverons, monsieur, nous trouverons. Hein. Ok. C'est juste à côté du cimetière, il y a une golf et vous venez derrière. Eh ben, fait ça, monsieur Tanaka. Okay. Merci à vous de votre gentillesse. À tout de suite. À tout de suite. C'était pas bien important. Bon, alors, a priori. Le monsieur n'est pas en fonction, mais il est prêt à nous rencontrer. Hein, tu as ma mallette? Est-ce que tu as ma mallette? Oui, tiens. Oui, merci. Voilà. Il est à une fête, il m'a dit qu'on peut le rencontrer là-bas. Alors, je ne sais pas du tout où c'est au niveau du golf. Hein, voilà, c'est la seule information que j'ai. Mais on ne connaît pas la ville et nous n'avons pas d'auto. Bon, je rappelle ma nièce, je vais raccrocher au nez, figure-toi. Voilà, tiens, prends cette achat de caisse. Oui, je la garde. Voilà, je reviens. Oui, allô? Devant le commissariat, on n'a pas bougé, on n'a pas de véhicule, on n'a rien pour bouger. Oui. Un comportement bizarre quand même. Un petit comportement bizarre. Tiens, tu peux me passer l'attaché caisse, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr, tiens. Merci. C'est bon. C'est bon, Sterling. Je préfère Sterling. Que tu l'aies bien en main. Tu l'as bien en main? Oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Je l'ai bien. Ouais, elle t'a dit quoi? Parce que je m'étouffe.
Elle arrive. Oh, cette ville va me tuer. Oh, dis donc. Une petite supérette qui s'appelle Beat. Oh, oui. Oh, Beats. Beats. It's big. C'est gros. Oh, dis donc. Oh, oh j'aime bien. Allez, fais une photo, j'aime bien. Petite photo. Bon, elle devrait arriver. On lui demande de... Et est-ce que tu penses qu'avec le peu d'argent d'économie qu'on avait mis de côté, on peut s'acheter au moins un véhicule? Bah écoute, vu les tarifs des taxis, je doute fortement. D'accord. Hein, si j'avais su, si j'avais su qu'un aéroport commissariat, ça coûtait un SMIC, j'aurais SMIC fait... Oui. Ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Oui, c'est un... Oh, c'est un mot juridique. Oui, j'entends. Oula. Oula, la... Attention. Partons avant qu'on ait une autre affaire. Oula, bah dis donc, ils sont très nombreux. Ouais. Et ben. Waouh. Il y a du monde. Hein. Belle voiture, hein, j'en profite. Alors, on se véhicule légal directement. Oui. Voilà. Ah. Ça, c'est du moteur à l'heure. On va bien, messieurs. Ils ont l'air très excités. Hein. Ah oui. Oula. Oh, bah dis donc, c'est punissable par la loi. Oui, là, ça c'est une infraction, je reconnais. Heureusement que personne l'a vu. Oula. C'est très bizarre ce qui se passe, dis donc. Oh, regarde. Je vois qu'ils ont arrêté une personne. Je vois. Certainement. Ils sont habillés en vert, non? Ah oui, alors j'ai vu qu'il y avait des codes couleurs, mon cher Cooper. D'accord. Des codes couleurs, d'après vous, ça veut dire quoi? Oh, ça doit être quelque chose comme un arc-en-ciel. Chacun doit avoir sa couleur, vois-tu, pour former un, peut-être. D'accord. Peut-être, hein, c'est une supposition, rien n'est certain, laissons la justice faire ton travail. Un peu, d'accord, très bien, un arc-en-ciel, c'est noté. Un rainbow, non, en anglais. Rainbow, ouais, bah, rainbow. Nous sommes anglais, après tout. Et tu sais quoi, si j'étais... Imaginons que dans une vie parallèle, je sois quelqu'un de monstrueux ou de méchant. Oui, bien sûr. Je pense que je ferais un groupe avec d'autres gens et je m'appellerais arc-en-ciel. Oh, ça sonne... Non, rainbow. Rainbow. Oui, oh, ça c'est pas mal. Rainbow. Oui. Ah, ça me plaît beaucoup, ah, ça. Oui. Et moi, je me verrais bien dans une vie antérieure comme un vieux grincheux. Un vieux grincheux un peu foufou, vois-tu? Un vieux grincheux. Oui, un petit vieux comme ça qui ferait des grincheries. Avez-vous eu l'impression d'avoir plusieurs vies dans votre vie? Oh, souvent. Des fois, quand je me réveille le matin, Cooper, laissez-moi vous dire que j'ai le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est plutôt inquiétant, ça, par contre. Je dois le reconnaître que je te donnerai pas le contact d'un bon psy. Oui. Écoute, bon, ma nièce commence, si je puis me permettre, avec tout le respect que je dois, à me casser les couilles. Alors, je vais fermer la portière parce que ça, c'est pas très prudent. Voilà. Je me voyais pas dans des retrouvailles. Ah, elle est là, regarde ça. Oh là là, c'est quoi cet engin de la mort? Oh là, c'est un bel... Oh, j'ai oublié mon attaché caisse. Oh là là. Récupère la vie. Dis donc. Oh là là. Dis donc, je monte pas dans le coffre, hein, je te préviens. Non, derrière. Hop, je redescends, hein, je me sens pas à l'aise devant. Bah moi j'y vais. D'accord. Bon, Bah non, mais je suis pas à l'aise non plus, tu me dis. Je vais monter derrière. Ah, je préfère devant. Voilà, mais non. J'y suis. Excuse-moi. Voilà, j'y suis, j'irai. Excuse-moi, il y a mon nom. Non, Sterling, voilà, à l'arrière, s'il te plaît, j'aimerais discuter avec ma nièce. Du coup, je vous laisse aller avec votre nièce. Non, ça a coupé. Voilà, je m'installe derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a une ceinture, Effie? Okay. Doucement, Effie. Le téléphone, Effie. Il est au téléphone, okay. Sterling. Ok, à plus tard. Attends, je peux pas te parler là, à plus tard. Voilà. Oh, quelle soirée, tonton. Bon, ma petite Effie, qu'est-ce qui se passe alors? J'ai l'impression que t'as oublié ton oncle. Je croyais que t'étais contente de me voir. Bah, j'étais contente de te voir, oui, mais j'ai eu un gros problème. D'accord, alors on va commencer en ordre. Est-ce qu'il y a une ceinture de sécurité dans oui, ce déjà. Véhicule? Alors, non. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de coffre, Cooper. Disons que je l'ai acheté vraiment aux enchères parce que j'avais plus de thunes, donc du coup cette caisse, Ah bah c'est quand même pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est un très beau véhicule, il d'ailleurs, me fallait un petit escabeau pour monter. Effie, je me permets de te poser une question, toi qui connais un peu plus la ville que nous. Oui. Combien coûte un véhicule de fonction? Enfin, un véhicule non tape à l'œil, un véhicule qui roule. Bah déjà, je pense que vous pouvez avoir un bon petit truc pour 20 000, 30 000 dollars. Oh, et peux-tu nous emmener au concessionnaire, ma petite fille? Parce que figure-toi qu'on doit aller voir l'agent immobilier pour peut-être un local. Il y a une fête, a priori. Oui, il y aurait une fête. As-tu entendu parler, Effie, de cette petite fête? Parce qu'une femme douce et jeune comme toi... Il y aurait une fête au niveau du golf. Cette fête, au niveau du golf. Ah non, j'ai pas du tout entendu parler de ça par contre. Ouh là là, ça met pas au courant ma petite Effie, c'est pas bon ça. Oui. Tonton, je voulais te demander. Oui. Est-ce que le commandant Soulax t'a parlé de moi?
non, il a fait un sous-entendu. Non, ah non, non, oui, il a mis à part une petite... Oui. Merci Sterling d'avoir... De rien, de rien, ça. Je me permets, j'ai oui, tout noté. Oui, effectivement, il a fait un petit sous-entendu et tu étais là, il me semble. Oui, c'est avec lui que j'ai dormi hier, donc je pense que de voir mon oncle, ça a dû un peu le chambouler. Oula, pardon. Comment ça, vous avez plaît-il? Non, il n'y a rien eu, mais disons qu'il m'a proposé de dormir chez lui, donc je pense qu'il m'aime bien, quoi. Le commandant. Il a quel âge, sans indiscrétion? Attends, je crois que tu dois descendre, c'est des vitres blindées. Bonjour, excusez-moi, monsieur. Oula! Hey, slow person! Can we get moving, please? Oh bah dis donc, monsieur, ça sert à rien de vous emporter pour si peu. Les gens sont affolés dans cette ville. Oui, effectivement. Ça va, vous avez pas trop la tête qui tourne dans votre soirée? Si, mais ça va aller. J'ai l'impression, si je puis me permettre l'expression, ça a l'air d'être une ville de gangsters. Est-ce que... Oh, il faut une clé apparemment pour rentrer dans cette petite boutique. Oui. Oula, oula, oh, oula, j'ai failli tomber. Apparemment, le concessionnaire n'est pas là. Je vais mettre un message. Ah bah c'est bientôt. Un message sur la vitre. Non, Sterling, voyons. Non, mais je veux dire un petit papier, un petit scotché, voilà. Un SMS, voyons, un SMS. Non, je mets un petit message sur Twitter. On dirait que Twitter, c'est la réponse à tout ici. Oui, oui, c'est exactement. Il se passe quand même tout de même beaucoup de choses sur Twitter. Je pense qu'on devrait devenir des tweetos. Oui, oui, j'ai l'impression, parce que là, j'ai vu j'ai vu un peu de tout. Hein. Je veux dire, tous les articles de loi sont passés par Twitter tout à l'heure. J'ai vu des enlèvements, j'ai vu des kidnappings, J'ai vu un peu tout ce que j'avais à voir. J'ai l'impression que dans cette ville, les gens revendiquent beaucoup de choses quand même. Ça, hein, parle pas trop cinéma hein, sur Twitter, j'ai l'impression, non? Oui, oui, non, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Non, il y a tout. On peut même voir un flic insulter quelqu'un comme ça. C'est normal, ce qui est tout à fait normal dans un monde. Oui, totalement logique dans un monde. Tant qu'on ne rentre pas dans la loi 365 article 12, je pense que c'est pas de la discrimination. Hein, de tout. Surtout dans notre État, où il y a une liberté d'expression totale. Il faut le reconnaître, c'est total. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Pourrais-tu nous emmener au terrain de golf, s'il te plaît, pour cette petite soirée? Alors, ouais, mais je sais pas où c'est. Tiens, envoie un texto, s'il te plaît, à l'agent immobilier. Il m'a dit que c'était au terrain de golf. Voilà. Ok, c'est au terrain de golf, Effi. Ouais, je crois savoir vers où c'est, mais je suis pas trop sûr. On y va. Est-ce que tu as une carte, Effi? Carte? Oh là. Oh non, pas le coffre, pas le coffre, ça suffit, j'en ai. Il faut. Allez. Aïe. Oh. Non, Je monte devant. Oh non, mais non. Je redescends alors. Voilà, je te laisse la place. Ah, mon attaché est devant par contre. Sterling, ça va faire deux fois que je te dis. Je te donnerai l'attaché quand tu seras dedans. Voilà. T'aurais pas un utilité un peu plus utile? Le terrain de golf, il est... Excusez-moi, monsieur. Oh le... Excusez. Monsieur, excusez là. Ah bah, Ali. Ouais. Dis donc, attends, c'est peut-être des vendeurs. Attends, je saute. Aïe. Je t'en rejoins. Aïe. Tonton. Oui, mais fille, il faut attendre. Ça dis va donc, Bah oui, il faut attendre que j'arrête la voiture. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Allez, on y va. Ça va, t'es pas blessé, Sterling? Non, non, ça va, moi je vais bien. Mais bonsoir. Bonsoir, messieurs. Oh, c'est de très bien, élégant, bien très, élégant. Très élégant. Dites-moi, est-ce que vous travaillez ici, messieurs? Moi, totalement affirmatif. Eh bien, moi, totalement pas. Eh bien, voilà. Écoutez, on aurait besoin d'un véhicule parce que c'est utile. Ouais, je vois, genre pour circuler et tout, quoi. Exactement, tout à fait, monsieur. Tout à fait. Pour se rendre à différents lieux du coin du... Nous irons dans une soirée près d'un golf, vous nous rejoindrez avec plaisir. Eh ben, ma petite fille, j'ai cru comprendre qu'elle était célibataire. Quoi? Pardon? Hein? T'as dit quoi? Ouais, je sais, elle fait du bowling dans la vie. Ma petite fille, ma petite fille. Ah oui, on a fait du bowling hier soir, c'est vrai. Mais voilà, des beaux hommes comme ça, ma petite fille, il faut y aller. C'est vrai qu'ils sont élégants et charmants. Et oui, ils sont élégants, ils ont l'air charmants. Et bien éduqués, bien éduqués, ça c'est le plus important. C'est cette petite coupe. Et fille, c'est pour toi. Je te le dis, c'est pour toi. Ah ouais, je le sens là. Je le sens bien là. Ouais. Voilà. Bah, vous en parlerez plus tard. On passe quand même au bébé. On ne veut pas voir tout ça. Pas de spoil. On y va. Allons donc, allons-y. Où ça? Allez, viens, Sterling. On va choisir un petit véhicule pour deux. Bon, on économise au maximum. Alors, je vous écoute. Voilà. Vous voulez. Oh là, je me cache. Non, qu'est-ce qui vous intéresserait? Bien sûr. Que voulez-vous? Écoutez, on a un budget de 40 000. Ouais. Est-ce que vous avez une voiture utilitaire pour deux avocats jeunes et beaux comme nous? Et performant. Aussi soyeux, totalement. C'est très aimable. Le compliment. On ne jamais à votre niveau, mais. Le compliment nous va droit au cœur venant d'une personne dont le charisme est resplendissant et étincelant. Resplendissant, je pense que c'est le mot. Oui, c'est le mot. Arrêtez de me flatter, je vais roussir. Oh. Oui.
J'ai une question. Non, c'est vrai que je suis en train d'admirer le... C'est incroyable hein, ce que j'en fais. Quoi quand même. On est d'accord. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Est-ce que, vous ferez une ristourne à mon oncle contre mon numéro de téléphone ou pas, histoire qu'on aille au bowling ensemble une deuxième fois ou... Ah ouais, mais il n'y a pas besoin de ristourne pour ça. Oh, ah bon, c'est mignon comme tout. Bah dis donc. Ouais, ouais. Mais non, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir, parce que je vois des gens très sympathiques. Ah bah écoutez, c'est super gentil ça. Mais oui, c'est vraiment adorable. Bah écoutez, messieurs, écoutez. C'est vraiment adorable. Je me permets de nous présenter, du coup. Nous sommes Sterling et Cooper, avocats au gros barreau. Et si jamais vous avez besoin d'un jour d'un représentant légal et force d'autorité majeure dans la justice, nous serions ravis, avec mon collègue, monsieur Maître Cooper, de vous rendre l'appareil. Oh, oh Sterling. Ah, vous, oh, c'est oui, Cooper. Oh, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Qui a donc, Cooper? Mais notre permis, il faut le refaire dans cette ville, je crois. Totalement, ouais. Faut le faire tamponner, ouais. Ah bon? Oh là là. Oh là faut là. Le faire tamponner au mais gouvernement c'est très rapide. Ah, est-ce qu'on peut avoir un véhicule avant tout de même ou vous pensez que c'est délicat? Bah, honnêtement, vous êtes tellement gentil que je vais vous laisser faire. C'est-à-dire? Ouais, bah je vais vous laisser. Attends, un véhicule. Qu'est-ce qui est sympa ce jean? Oui, non, mais nous respectons la loi. Nous allons pas conduire sans... Vous êtes avocat, donc je comprends que vous respectez De toute façon, Jean, il me semble que les permis sont directement après tout, réimprimés aux États-Unis directement. Oui, c'est ça. C'est juste, vu qu'ils ont changé de ville, il faut juste tamponner l'état. D'accord. Nous irons tamponner. Vous l'avez, en soi, votre permis, il est en règle. C'est juste qu'il faut mettre un petit tampon dessus, c'est tout. J'avais un permis de sous-marin également, mais ça, on verra plus tard. Ah, ça, après, faut voir la marine. Oui, bien sûr. Du coup, par la suite, est-ce qu'il vous faut un véhicule 4 places ou 2 places? Oh, 4 places. Oh, 4 places, hein, 4 places. Même pour 40 000, je check vite fait mon ordinateur, le logiciel, bien et sûr, je vous suis sûr. À vous. Plus un véhicule luxueux ou plus un véhicule... Oh non, modeste. Oh, modeste, oui. Oui, pour des gens modestes comme un SUV, j'imagine, plutôt. Oh oui, c'est bien ça, SUV. Un SUV. Oui. Oui, un SUV. Nous, ça nous plaît, ça nous plaît. Ça représente. Il y a suffisamment de place. Il y a un gros coffre ou pas? C'est pour un ami. Ouais, il y a des gros coffres. Très bien. Après, si voulez... moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un Granger. Véhicule très pratique, utilitaire, 30 000. Il est beau, il est pratique, il est long. Pas trop très gros, hein. On reste quand même. D'accord. Qu'on soit flashy. Non, après, non, en vrai de vrai, là, j'ai une petite berline de type fugitive. Oh, fugitif, dites-vous. Ah oui, ça aussi. Qu'est-ce fugitif, ça veut dire que ça s'est échappé, non? Non, oui. C'est juste que sa conduite... Alors, aux yeux de la loi, le fugitif est considéré comme quelqu'un qui ne répond pas à un impératif d'ordre juridique. Disciplinaire oui, d'ordre juridique, et qui est donc recherché juridiquement par... Sterling, oui, on achète juste une voiture. D'accord. Non, mais c'est toujours intéressant de rappeler les points. Un petit point juridique, c'est pas. Alors, vous permettez. C'est pas inintéressant. Monsieur, vous m'excuserez, c'est juste que. Est-ce que vous pourrez remettre votre clavier un peu plus droit? Parce que tout ce qui n'est pas aligné. Oula, c'est de le faire avec les pieds. Voilà, ne vous énervez pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'aime bien quand c'est droit, quand les choses sont droites. Oh, bonjour, monsieur. Oh, monsieur est policier. Je vous présente mon patron, monsieur les avocats. Ah, bah, bonjour, monsieur. J'aurais dit policier, moi. Je m'appelle Reed Cooper et voici mon co-avocat, évidemment, monsieur Marty Sterling. Mais enchanté, il me semble qu'on a vu une affiche de vous dernièrement, non? Oh oui, je me suis permis de... Ah oui, je t'ai pas dit Sterling, je me suis permis de me mettre à Instagram, voilà. Oh, voilà. Modernité. Exactement, on dit la modernité avant tout. Eh oui, bien mais sûr, on a bien déjà sûr. Beaucoup d'histoires à régler quand même bien ici. Bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent en suspens dans cette ville, il paraît. Oui. Oh, je ne vous cache pas qu'à peine descendu de l'avion, on était déjà un petit peu... Dans un coffre. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. Et bah, vous savez quoi, pour vous, j'ai un petit Rocoto en SUV qui est plutôt pas mal. Oh, j'aime bien le nom. Je vous laisse trouver votre petit bonheur. Merci beaucoup, monsieur. Rocoto, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon. Comme un peu un Audi Q7, vous voyez. Oh, oui, je vois, ça c'est allemand, ça, dites donc. Ouais, c'est un peu ça. On va avoir une Audi. C'est ça, ouais, c'est plutôt la marque américaine. Un peu. D'accord. Il me faudrait juste une pièce d'identité, s'il vous plaît, pour la carte grise. Tu t'en occupes, mon petit Stan? Non, pas du tout. D'accord, je vais m'en occuper. Oui, il s'en occupe. Moi, le clavier est remis droit parce que ça me dérange au plus haut point, mais bon. Alors, tu peux, Sterling, excuse-moi. Attendez. Oui, merci de me l'avoir montré, je te la rends. Voilà. Prenez un peu de distance, ouais, s'il vous plaît. Ça va aller. Très belle carte. Sterling, c'est bon très belle aussi carte. De montrer. Oui. Non, mais c'est bon de montrer de temps en temps aussi. De me rappeler, voilà, que tu es là et que tu es bien toi.
et voici pour 40 000 au lieu de 45 000. Ça va, un petit rabais de 5 000. C'est très aimable, très aimable. Tu veux que je paye la moitié ? Je dois aller à la banque, monsieur. Non, vous avez juste à payer. Ah bah c'est payé. Oh bah voilà, en sans contact. Oh bah Sterling, ouais. vous me devrez. Oui, je te donnerai la moitié. Je te donnerai la moitié. Ne bougez pas. J'ai juste à mon collègue de sortir le véhicule. Bougez pas, je vous donne les clés. C'est ce qu'on dit. Beaucoup. Les bons amis font les bons comptes. Ils sont très gentils dans cette ville. Très aimables, si très aimables. Tous quelques petits problèmes à gauche à droite. Oui, a priori, je pense qu'on a choisi la bonne filière. Oui. Ah oui. J'attribue les clés pour vous. Ne bougez pas. Eh ben c'est bien reçu, monsieur. Et venez, je vous accompagne à votre nouveau véhicule. Est-ce que moi j'aurais le droit d'avoir les clés quand même? Il peut vous les prêter, mais il faut que vous les rendez chaque jour en fait. Oui. Oh Sterling, vous inquiétez pas, vous serez toujours à mes côtés. Oui, j'espère bien, parce que je ne conduis pas, moi. Je conduis, mais je conduis pas. Oh, j'ai déjà dû te sortir d'une belle affaire, la dernière fois. Oui, oui. N'en parlons plus, s'il te plaît. Oui. Le passé est dans une autre ville. Et voici votre petit bilan. Oh. Eh ben, écoutez, je ne suis point déçu de ce véhicule. Oh là là, mais quel... Ah, non. Mais c'est de toute beauté. On ne se fout pas de la tête de nos clients, nous. Ah oui. Ah, c'est effectivement, monsieur. Oh là là. Alors je vais tester le coffre parce que bon c'est devenu une habitude. Et le coffre est très bien, tu m'entends? Oui, je t'entends. Le coffre est fantastique. Crier, donc. Bah oui. Voilà, je ressors. Oui, il faut ressortir. Le coffre est très bien. Bah écoutez, merci, merci beaucoup, monsieur. Mais c'est avec plaisir. Plaisir, monsieur. C'est attaché Cooper. De vous serrer la main. Merci à vous, mais monsieur. De même. Et puis au plaisir de refaire affaire. Et si vous avez besoin d'avocat. Tel que nous, est-ce que vous voulez notre numéro ou... Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais après, si vous voulez, on peut se reparler à la soirée. Hein, si vous allez à la soirée actuelle. Ah oui, effectivement. Bah oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Oui. Bon, écoutez, on se retrouvera à la soirée, monsieur. Voilà. C'est avec plaisir. Juste pensez juste à l'éclairagiste personnel de faire un petit dernier check-up. Okay. Il va nous faire payer, peut-être. Non, il est très gentil. Mais très c'est bien. Votre personnel, donc voilà. Très bien. D'accord. Et merci c'est beaucoup. Juste votre petit porte-clé de la marque Ultimatum. Et puis on est bon. Merci beaucoup en tout cas. Et c'est incroyable ce service. Elle est magnifique. Elle est vraiment d'une beauté. Je ressors parce que j'en suis choqué. Je suis choqué. Je sors parce que je veux pas l'abîmer. Voilà. Allez, tu peux revenir. D'accord. C'est avec plaisir. Je tiens le petit portail et vous êtes bon pour la route. Merci beaucoup. Ne l'abîmez pas. Attention, votre permis. N'oubliez pas le permis. Oui. On connaît la justice, monsieur. Vous n'allez pas nous avoir la justice. Attention à vous. J'ai oublié que j'étais concessionnaire. Voilà, attention, oh, bien joué, Cooper. Allez, on y va. Sympa, j'avais su qu'on aurait une si belle auto dès notre premier jour en ville. Eh ben oui.